Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, j'ai été faire un petit tour à Emmaüs. Donc j'ai trouvé, déjà j'ai trouvé une petite cassolette comme ça. Parce que je voudrais faire un pic-aiguille de la vidéo de Nat Bricot Créart. Il y en avait plusieurs, hein. J'en ai pris qu'une, ça me suffit. Ensuite, j'ai trouvé un drap. J'ai coupé en deux, hein. C'est tellement grand que trouver un drap rose comme ça, coton, hein, un beau coton, pour faire mes petites créations. J'ai trouvé un morceau de tissu comme ça. Alors attendez, on va enlever ça. Je mets ça sur mes genoux. Un morceau de tissu comme ça, c'est du coton et à l'intérieur c'est comme on va dire molletonné, assez épais. Bon, il est un peu rose flashy, hein, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai trouvé deux têtes d'oreiller comme ça avec des petites fleurs. Donc ils ont un volant, hein. C'est des grandes grandes en plus, hein. Des grandes têtes d'oreiller, hein. Donc celle-là je l'ai laissée comme ça pour l'instant. Là j'en ai décousu une, donc ça me fait quand même un sacré morceau de tissu, hein. Ça m'en fait deux morceaux parce qu'il y a devant derrière, hein. Deux grands, hein. Et j'ai mis le volant, j'ai gardé le volant, hein. Ce qui fait une petite largeur comme ça, hein. On peut s'en servir. Voilà pour Emmaüs. Hop, je vais remettre ça là. Ici, tac, 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 et remettre ça sur le côté. Et j'ai reçu une commande de AliExpress. Donc j'ai reçu du coton comme ça. Il est très très fin, il est très doux. Mais il est très dur à tricoter. Enfin, à crocheter, hein. Donc, j'ai fait deux embellissements avec. J'ai fait celle-ci. Donc, c'est doux, hein. Mais pour crocheter, bouf. Donc, j'ai crocheté une image autour. Et j'ai fait avec un cercle. Je passe autour du cercle, hein. Et j'ai collé mon image dessus. Et j'ai fait celui-là. Pareil. Il est joli, c'est un vieux rose un peu perlé. Un peu cher quand même. Parce que bon, il n'y a pas grand-chose dessus, hein. Mais bon, pour faire ce qu'on a à faire, ça va très bien. Il faut prendre le temps, hein, pour crocheter, parce que là, j'ai eu du mal, hein. Ensuite, j'ai reçu des dies. Ce sont des dies que j'ai trouvées par rapport à Marie-Thérèse. C'est crochet récup, je crois. J'avais vu qu'elle mettait ses dentelles, voilà, dessus, comme ça. Donc là, il y a deux petites. Il y a les deux grandes. Ici, il y a des petits genre d'arabesques, hein. Donc voilà ce que ça donne. Là, j'ai fait une découpe en blanc de celle-là. Et une découpe de couleur avec les fleurs
de celles-là. Ensuite, eh ben, on les colle les unes sur les autres, hein, ça solidifie bien. Et ça, c'est les grandes. Donc, une grande en blanc, une petite, enfin plus petite, avec des fleurs. Et voilà ce que ça donne quand on met la dentelle dessus. Ça, c'est la petite. Et ça, c'est la grande. Voilà, j'ai plus qu'à faire la découpe. Et il me faut une trentaine de petits comme ça et presque autant de grandes pour pouvoir tout ranger. Donc, il va falloir que je mouline, mouline, mouline. Mais c'est pas mal, moi j'aime bien. La grandeur, je ne vous ai pas donné la grandeur. Je crois que ça fait 15. J'ai un bazar là-dessus. Celle-là, la grande, elle fait 15 sur le milieu, sur 9. Et avec la petite dentelle, là, 10 et demi. Et celle-là, elle fait... Elle fait 10 et demi et au milieu 6. Donc c'est bien pratique parce que mettre sur les rouleaux, je trouve que ça prend plus de place. Voilà pour ça. Et je me suis commandé du tissu. Donc c'est du coton hein, avec des petits nœuds. Et celui-là qui va avec, c'est un peu flashy quand même, mais bon, c'est ce qui va avec le tissu, les petits nœuds. Parce que je voudrais refaire une mamie ciseaux en chabis. Voilà les petits achats, hein. Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à mouliner, coller. Rangé. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et vous dire à bientôt. Bisous, bisous.